3. Ah, le tricot, c'est... Le tricot collectif. C'est une espèce de famille de musiciens qui a décidé de faire plein de projets ensemble parce qu'on s'adore. Ce soir, c'est l'orchestre du tricot qui fait son tribute à Lucien Boyer. Voilà. Et donc, il y a des chansons d'amour, encore une fois. Et elles sont arrangées par trois musiciens. Donc Théo Secaldi, Valentin Secaldi et moi-même, Roberto Negro, qui suis également pianiste. Ce projet, il est né il y a 2 ans, suite à une commande où j'avais eu une carte blanche. C'était un moment où je pense qu'il y avait une douzaine de guerres qui venaient d'éclater, je devais être à moitié en dépression. Donc là, je me suis dit, ah super, on va faire un truc sur l'amour. Qu'est-ce qui me fait des bisous comme ça? Et là, je suis tombé sur Lucien Boyer, j'ai eu une révélation pour les textes, qui sont extrêmement désuets. Incroyable. Et les arrangements, la musique. Là, j'ai pris une baffe et je me suis dit, là, il faut qu'on se jette ce défi-là, quoi. Voilà. Tricot, c'est se mettre bien, donc le tricot, c'est l'amour. C'est tellement vrai qu'on peut pas dire autre chose, quoi. Avec un grand M. Oh, c'est l'amour. Je pourrais pas te dire exactement ce que c'est que l'amour, mais je sais que j'adore ça, quoi. Voilà. De la cité au dernier concert. Qu'est-ce qu'elle a dit d'ailleurs? Tricoton, faisons valser Cupidon.